Les souvenirs du vieux chêne. Dans un écrin somptueux, les éditions Milan nous proposent de découvrir les mémoires d'un grand chêne. Nous traversons les siècles et découvrons des scènes de vie multiples et variées, où nous croiserons aussi bien les personnages de contes, des rois, que des gens simples et des animaux. De la naissance de l'arbre à sa vieillesse, le temps s'écrème. Les tons sont souvent sombres, comme pour mieux protéger les mystères de la forêt, mais plein de détails. Un récit qui balaye le monde des contes, car comme l'avoue l'auteur, la sagesse du vieux chêne doit beaucoup à ses lectures, mais il évoque aussi l'essence des êtres et le passage du temps. À lire.